tango mokili eboyaka te tango lola etatulaka tango mokili efingaka te tango lola etombolaka nalingi yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo abenga ngai alapa ndai ya kotikanga te nalingi yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo aponda ngai nasalela uta bomwana na ngai Donc ils ont attendu le bon moment et le bon moment pour eux c'est le 21 octobre où le Seigneur leur a donné les moyens suffisants pour pouvoir faire la bénédiction et pouvoir faire une fête où tout le monde, toute l'église est invitée. Toute l'église, mais l'invité n'invite pas, c'est toi qui es invité, n'invite pas d'autres personnes. Alléluia, c'est un frère qui nous est très cher. Moi, je l'appelle toujours l'homme de la situation. Il a sacrifié son temps. Vous savez, pendant que nous étions tous en train de dormir, pendant l'opération Temple, pendant qu'on était en train de construire, il était ici tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Au détriment, quelquefois, de son travail, mais il était toujours là pour faire l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions, on n'a jamais eu le temps en fait de bénir le Seigneur pour sa vie. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, à cause de cela, et à cause de la grâce que le Seigneur lui a accordée, que nous puissions bénir Dieu. Ça sera le 21 octobre et ça va se passer. Je crois que vous savez de quoi je parle. Je parle de quoi? Mais le problème qui est avec vous, c'est que le 21, il va venir ici, pensant que tous les frères vont arriver, et finalement, vous arrivez après les mariés. Est-ce qu'on peut changer ça aussi? Que ton amène t'engage. J'aimerais que nous puissions l'honorer. Il est venu encore simplement comme d'habitude. On va recevoir notre frère Wilfried. Joël, de son vrai prénom Sandrine, c'est celui qui est le moins connu, mais ici à l'église on l'appelle Sœur Joël, une femme très calme, très posée, qui n'est vraiment pas une carie dentaire, parce qu'elle a su mettre mon frère très à l'aise, malgré leur situation difficile, parce qu'ils ont connu des situations très très difficiles, et vous ne pouvez pas comprendre comment ce message est tombé à propos par rapport à leur vie. Et ils ont su être patients avec le Seigneur, ne pas bousculer les gens, mais prier, être fidèles au Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à résoudre un à un, problème après problème. Il y en aura encore d'autres. Il a déjà résolu ça au travers de la croix, mais la réalité va encore être manifeste. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait en sorte que ce projet qu'ils avaient tant chéri puisse arriver. Alors nous voulons honorer notre sœur Sandrine Joël. Elle est où? Yeah!
Vous pouvez aussi venir nous voir pour que nous puissions vous aider, pour que vous puissiez régulariser votre situation et recevoir également la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et celle-ci ne se suit d'aucun chagrin. Et quand Dieu bénit, on sent vraiment qu'il y a la richesse. Alléluia. La richesse de Dieu se voit. Alléluia. Amen. Et donc si vous êtes dans cette situation-là où vous étiez marié aussi coutumier à moi, mais n'avez pas encore reçu la bénédiction, vous pouvez venir nous voir. On peut toujours... en discuter. Et Papa Kofi Christophe reste le plus grand modèle au milieu de nous. Amen. Parce que c'était à 60 ans. C'était à quel âge? 40 ans. 40 ans de mariage. 40 ans de mariage. Oh, vous avez béni, vous avez. Oui, la bénédiction. Mon âge? Non. Après 40 ans de mariage, on vous a béni. Oui. Après 40 ans. Après 40 ans de mariage, on les a bénis. Donc, toi, ça fait à peine 5 ans ou 2 ans. Donc, tu peux venir nous voir. On peut vous accompagner pour que vous aussi vous soyez bénis. Surtout les sœurs aiment ça. Ce jour-là, ça sent en robe blanche. Hein? Elles rêvent de ça. Que Dieu soit loué. Ça sera le 21 octobre à 16h30. S'il vous plaît. Essayons d'être des civilisés. Hein? À 16h, on est déjà là. À 16h30, les mariés arrivent, nous les accueillons, nous recevons la bénédiction et je crois que ça leur fera tellement plaisir de voir leurs frères et leurs sœurs participer à leur bonheur et à leur joie. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Donc, et pour les cadeaux, ce n'est pas la peine d'acheter les verres et les assiettes. Ils ont déjà tout à la maison. Hein? Emmenez plutôt les enveloppes, d'autant plus qu'ils ont des bons projets, ça pourra les aider par rapport à leur projet. Amen. Amen. Frère Wilfried, reprends la sœur. Et allez-y, montre-nous comment tu marches avec elle. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. T'es belle, c'est ton jour.
Hein? Ma chérie, c'est bonjour. Bonjour. Ah oui, ne parle pas, toi tu écoutes seulement ça. Ne t'occupe pas de l'organisation. Jusqu'ici. Oui, mais si je reste au téléphone avec toi, c'est sûr que je ne vais pas finir. Je te donne un peu plus tard. Allez, je vais appeler de toi. Après, on a dit 14h. Je reviens à la rentrée. Je te rappelle. Ouais. Ton mari, tu mets ses mains dans le cerveau. Non, ça, c'est un rôle de parce que tout à l'heure, j'ai masqué. J'ai masqué. Quand j'appelle. À cause du stress, ouais, les enfants, c'est quand ça. Ebenezer,
jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Je vais savoir c'est malédiction. Désolée ma chérie, je ne savais pas que tu parlais de nous sur le Congolais. Non. Parce que on était tous les Congolais. Non. Na bona kenya musika na bona mu ya mwana na nzambe na tamba na chance ya vinangai na ndemo za kongo na yango na konklu ya Yesu oza malamu na talima na muna shantali bota na biso na ndengo zo pambola ka biso na konkuri ya Yesu oza malamu la famille la Minga ye, kwe ye na nutezi kibola muna yote.
motema na nga te mwa bolamu na yo matungi ya nga na koma presence na yo na sengo nshinga nga na bolu na boza pe komo sika na yo sengo mkili oza se pamba yo nshinga nga mkolo yo nga mbunga nga muna kokate yo oza bolu nga bolenge na nga kolinga yo koleka bilaka na yo kolinga yo koleka izako yo kopesa kolinga yo koleka mwana na mwasi c'est bon jezi bolinga misisa na nga sika yo changa na yo bakate nasuduka kase na soma kwa presence na yo nakata kakumbi na mbuku na muka yo tumelisa ngole kima sanga na mutu yo tunga mbuna mbambu na kukate yesu La complique aux amalans. Tu n'as pas exigé pour ça la même. Un jour, on aura pour ça la même vie. Les accords. La Mongolie est sous une angaille, bébé. La Mongolie est sous une angaille, sambo. La Mongolie est sous la belle uniforme. Alongoli Yesu na kati bilambao bilambao Alongoli Yesu bananga basangwe Alongoli Yesu libala nanga e baby e baby Alongoli Yesu na kokenda wapi o Alongoli Yesu na bandela wapi o Baba Yesu Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui concernent et le concernent selon son âge et son degré de maturité. Le 21 octobre, fils de Paul Pongui, retraité, et de Charlotte Mabana, retraité, domicilié à Pointe-Noire, République du Congo, d'une part, et Natacha Sandrine Joël Zouana, gouvernante, domiciliée à Roissy-en-Brie, fille d'Albert Zouana et de Annette Bouello-Co, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Moi, j'ai le plaisir de célébrer. Wilfried Tanguy, Bourbon, ici présent. Oui, je le veux avec plaisir. Monsieur Wilfried, vous sentez-vous à prendre votre épouse, madame Natacha Sandrine Joël, sous madame, si présente. Oui, je le veux. Signé avec nous à titre de Yasmine, mère à Joël Massier, c'est lui.